Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tigrali, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien aujourd'hui. Pourquoi? Car on démarre une toute nouvelle aventure et pas sur n'importe quel jeu. On va partir pour The Last of Us Remastered. Alors, pourquoi ce jeu? Parce que c'est un jeu que j'adore. The Last of Us, c'est franchement un jeu qui m'a fait kiffer. Je vais pas vous en dire plus pour ceux qui connaissent pas l'histoire, mais ceux qui connaissent pas, franchement, je vous invite à regarder ce let's play, cette aventure qui vous promet d'être fantastique. C'est un jeu, voilà, j'adore l'histoire est émouvante. C'est un de mes jeux préférés de toute façon. Et je vous commence, qu'on part tout de suite The Last of Us. Alors, oui, j'ai commencé, oui, continuer pour voir ce que ça donnait sur le rendu. Sur le rendu, c'est nickel. On va commencer une nouvelle partie en normal. Alors, on va choisir la sauvegarde juste ici. On écrase les données, il n'y a pas de souci. Et on part pour la plus magnifique des... Ah, regardez-moi ces jolies lumières déjà. Ah, je suis pressé de faire le jeu avec vous, les gars, franchement. Ah, c'est un jeu, waouh. Vous allez voir, il est magnifique. Et ceux qui connaissent savent qu'il est magnifique. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non, 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 non! Ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bonne nuit, Trésor. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Allez, on est parti avec le petit trésor. Alors, le téléphone. Oh, regardez-moi, c'est magnifique. Regardez-moi ce miroir. Magnifique. Donc, Oncle Tommy nous a appelé. Fait péter le téléphone. Oh, comme par hasard. Ça marche pas. Mais que peut-il bien se passer? Où est papa? Alors. Comme ça, on bouge. Mince. J'ai oublié de lui donner ça. Oh non, c'est triste. Un petit dinosaure avec la fête.
Avec la fête, avec le truc. Cher papa, voyons, tu n'es jamais là, tu détestes la musique que j'écoute, tu méprises carrément les films que je regarde, et pourtant, bizarrement, tu arrives chaque année à être le meilleur des pères. Comment tu fais? Bon anniversaire, papounet, bisous, Sarah. Oh, c'est trop mignon. C'est mignon, Sarah, elle est mignonne. Même son petit papa. Oh, y a rien d'autre à faire dans la chambre. On va sortir. Papa? Alors, regardons par la fenêtre. Regardez. De ce qu'on peut en voir, c'est beau. Allez, on va ici. On ouvre la porte. Vous avez vu les canards et là-bas les poissons. Alors, qu'y a-t-il? Le journal. Explosion des admissions dans les hôpitaux de la région. 300% d'augmentation suite à une mystérieuse infection. Je parle avec un petit accent. La liste des récoltes contaminées s'allonge. Rappel massif attendu. Police, une femme hystérique tue son mari et trois autres victimes. Ouais, c'est pas très glorieux tout ça, pas très sympathique. Papa, t'es où? Où t'es, papa, où t'es? S'il te plaît, papa, t'es où? Ah, il est là, regardez. Il y a la télé. Qu'est-ce qui t'est passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des Quoi? signes croissants C'est pas d'agressivité d'ici? et... Évacuez tout le monde, il y a une fuite de gaz. Hé, Une fuite de gaz? il se passe quelque chose derrière nous? Oh là 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 là. C'était quoi? Ouh la vache! Oh non! Ça a explosé. Effectivement, c'était tout près d'ici. Il faut chercher papa. Allez, on va descendre les escaliers. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être un sacré bordel. Oula! Alors. Son Ah! téléphone. Le téléphone de papa! Huit appels en absence. 8 appels de Où est-ce que Tommy. t'es? Rappelle-moi, j'arrive bientôt. Ok, Tommy, il a l'air d'arriver bientôt. Je vais rentrer tard ce soir, ne m'attends pas. Commande à manger, on se voit demain matin, papa. Bon. Oh, le chien qui gueule là. Ah, bah, du coup, il gueule plus. Putain, regardez, j'ai eu peur, il y a. Le truc de pneu qui a bougé là. Allez, on avance. Ah, bah, le voilà! Te voilà. Sarah, tu vas bien? Bah, oui, et toi? Est-ce que quelqu'un est venu? Non, Non. quelqu'un devait passer? N'approche pas des portes! Ne D'accord, bouge pas les on yeux! recule. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Quoi, les Il y a un Cooper? truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Oh putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là! Oh là là, ils sont pas bien. Il lui a tiré dessus. Allez. C'est vraiment le bordel. Sarah. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Ouais. Faut partir. Allez. Ah, Tommy est là, du coup on va partir les amis. Loin de ces problèmes. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tirons notre histoire. Il paraît que la moitié de la ville a perdu son pédale. Est-ce qu'on peut y aller? L2. L2, c'est pour zoomer. Donc là, on peut bouger dans la voiture. Ok. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Bah, ça va bien, écoute. Hein, je vais quelqu'un se faire tuer sous mes yeux! Comment veux-tu que j'aille? Je suis une petite fille. Notre voiture qui s'en va. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Il y a des gens qui s'en vont. Il disait, l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. Prends la 60-61. Oh, les flics. Ils
ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Oh là 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 là. Ouais, un accident de voiture. Mais c'est pas seulement ici. Un peu bouger un peu. Oh, regardez, j'ai des flammes là-bas. Oh la vache, regardez. C'est la ferme de Louis. Bah, elle a tout cramé la ferme. Allez, on repasse devant. Ah, mes agents de Mansky installés, si j'ai envie de me pouvoir prévenu. Merci beaucoup. Ils disaient que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien. Prends-moi. Comment t'en es sûr? Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Ok, ça arrête pas. Vous n'avez rien. Quelqu'un d'autre le sait. Alors, où est-ce qu'on va? L'ambulance qui part. Là, c'est l'hôpital. Ah, les embouteillages! Ah, il a attaqué! Oh merde! Mais regardez, hey, mais c'est des fous! Tommy, bouge-toi les fesses! Oh là 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 là. Cours! Oh là là. Oh merde. C'est quoi ce bordel? Non, 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 non. Sors-nous. Je vais de mon mieux. On peut pas rester ici. Mais je peux pas l'enfoncer dessus. Fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, là, là. Accroche-toi. Allez, là. Allez, avance un peu. Ah là 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 là. On est mal là, on est mal. Papa. Putain, accident de voiture, c'est rien de bout de vous. Oh là 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 là. Recule ma puce, recule. Allez, on est avec Joël. Très bien, on va tout défoncer le pare-brise. Allez. Wesh, c'est quoi ton problème? Tiens, dans ta face. Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Allez, viens. Viens, Sarah. Qu'est-ce qu'il y a? Mal comment? On va devoir courir. Allez, tu lui donnes le flingue. Non, la porte. Accroche-toi bien. Allez, on y va. Vas-y, cours, cours, cours! Oh, pas ça! Oh là là! Allez, on avance! Oh là 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 là, pas par là! Allez! Ensuite, Tommy! Ils sont très malades! Oh là 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 là! C'est l'apocalypse! On a fait le tour. Oh là 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 là, la vache. Mais poussez-vous. On va s'en sortir. C'est promis. Mais va-t'en. On va sprinter. Je sais plus. Oh là là là. Ils sont trop nombreux. Par où? Ouais, dans l'allée, bonne idée. Dégage. Vas-y, avance. Allez. On y va. Wesh, t'es sérieux, dégage. Allez, allez, on craint rien, chérie. On avance. Ouais, vas-y, tape dans la poubelle, toi. Faut qu'on fonce, faut qu'on fonce. Allez, on y va. Ils sont partout. Allez, c'est bon. Prends la nationale.
se retrouve là-bas. Dépêche. Allez. On va à la nationale, Tommy nous rattrapera. On va suivre le chemin. Ah c'est tendu hein, les gens attaquent d'autres gens. Sûrement dû à cette contamination, cette épidémie qu'on avait dans le journal. À l'explosion de gaz aussi sûrement. Allez on y est presque. Il est derrière nous, il est derrière nous. Hey, on a besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, non, pitié. Oh Dieu. Pitié, pitié, pas ça. Pitié. Non. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous protéger nos citoyens. Désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi? T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie.
Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Eh bien, les amis, waouh! Ah, vous avez vu, je vous avais prévenu, que d'émotion. Eh oui, Sarah est morte, putain, ça... À chaque fois, j'en ai les larmes aux yeux quand je vois cette scène. Le poste 5 est ouvert. Et on se retrouve donc dans le futur, hein, 20 ans après. La ville est devenue un bordel à cause de la vie, c'est une infection qui a causé ça, il y a eu des morts et tout. Et là, on est avec Tess, une amie. Il faut aller chercher Robert. Waouh! Ah, j'espère que vous en êtes remis, les gars. Parce que ça ne fait que commencer. Allez, on va le chercher, ce Robert là. On va lui faire la fête. Sa fête. Regarde ça. Super. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provisions. Ouais, c'est la galère un peu. Ah, les soldats, elle est décontaminée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Ah, il est clean. Ouais. Et elle? Oh oh. Ah, ils l'ont tué. Ouais, pardon, je regardais l'exécution de la contaminée. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Regardez-moi comment c'est magnifique. Salut, Joël. Je trouve ça trop beau. Quoi? Ah ouais, salut. Je regarde le paysage. Il faut les venger. Si jamais les rebelles prennent... Nous avons eu de nouveaux papiers. Ouais, t'inquiète. C'est bon. C'est toujours cool. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer. Et boum! Oh, super. Hop là. Petit tutoriel. Attention, le poste de contrôle 5 est fermé. On est en cours. Tous les civils ont l'obligation d'évacuer les enfants. On est libre. Enfin, libre. Ça aurait été trop beau. Rafistole-toi, ok? Ouais. Alors, kit médical. On sélectionne avec la flèche du haut et on maintient R2. Pour l'instant, ça va. Il faut fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. On peut pas le faire avant. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer. C'est ça. Il a fait quoi, Robert, pour que je le déteste? T'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Pour l'instant. On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène.
Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robin? Marlène fait partie des Lucioles. Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Ouais, super l'armée. Ils font quoi pour tuer les gens? Rien du tout. Marlène qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? Ça sent pas bon. Pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Ouais. Alors. C'est nous. Non, il nous avait pas reconnus. Ouais, toi. Ce bordel dehors. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Quoi? Joël, ouais. Tu peux m'aider à pousser ça? Ouais. Allez. Gaffe la bouteille qui tombe. Non, c'est bon. Faites attention à vous là-bas. Ok, pourquoi t'as une télé s'il n'y a pas la télé? Hop là. Christ. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Ouais, c'est vrai. Lumos. Allons prendre notre matos. Ouais, t'inquiète. C'est vrai que... Ok, pour franchir, elle et Croix. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Ah. Oh, un petit flingue. Pas beaucoup de munitions. Ouais, ça va falloir faire attention à pas gaspiller beaucoup de munitions parce qu'il y en a pas beaucoup dans le jeu. Enfin, pas beaucoup. On en aura assez, hein, rassurez-vous. Appuyez sur R2 sans viser pour recharger. Quelle tête sang. Fais-moi grimper. Oh, je vais te faire grimper, ma belle, tu vas voir. Allez, vas-y, viens. Prêt? Bien, madame. Allez. Hop là. C'est vrai qu'elle, avec ses petits bras, peut nous faire monter. Hein. Allez, on va monter plus haut. Toujours plus haut. Allez. Hop là. Oh, un petit restaurant. Ça fait plaisir. C'est une question piège. Le petit ketchup, le petit sel et le pauvre qui a pas bougé. Allez, veux nous parler. J'étais pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben je suis du genre romantique. Alors malgré le fait que ce soit un décor tout pété, tout défoncé, je trouve ça magnifique, moi. Regardez-moi ces détails. C'est trop beau. Bon, en disant ça, j'aimerais pas vivre là. Bon, plein d'infectés régnés par l'armée, c'est pas mon délire. Et l'eau, elle est pas belle l'eau, une petite baignade, ça vous dit? Elle est où l'échelle? Là, tu l'as laissé la dernière fois. Ah ben on la voit derrière la voiture. Enfin, c'est de ce qui reste de la voiture. Je l'ai. Super, rapporte-la ici. Ouais. Initiation débloquée, appuyez sur option pour la consulter. Ouais non, pas besoin, t'inquiète. Je connais le jeu. Enfin, je connais le jeu. Je l'ai déjà fait. Donc, les contrôles, ça devrait aller, mais je l'ai fait il y a un moment. Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Ouais. Ok, je te suis. Oh, la petite cuisine. Alors faut pas hésiter à fouiller hein, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu et ceux qui ont fait le jeu le savent. Hésitez à fouiller partout pour trouver des petites bricoles. Voilà, regardez là, je trouve des matériaux pour améliorer les armes. Il y a beaucoup de choses à trouver. Regardez là, je trouve un secret, un pendentif des lucioles. R3 pour allumer la lampe torche. Donc les lucioles, c'est ce signe là. Pour ceux qui ne le savent pas, là c'est où il dormait. Super. Donc, je pense qu'on a tout fouillé ici.
On trouvera pas plus que ça de toute façon. On va descendre par là. Ok, on descend. Hop là. Robert a toujours nos armes. On sait rien, faut lui demander. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, le mois prochain. On aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends, des sports. Oula. Donc les sports, c'est tout ce qui est... voilà, là, vous voyez, on voit moins bien. C'est tout ce qui est air bizarre. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Je serai pour vous accroupir. Voilà ce qu'on cherchait. Ah, regardez. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Ouais, c'est ça, là, ces espèces d'infections. Ah, tu veux pas te relever? Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Allez, vas-y. Oh, merde! Ça va? Ouais. Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Faut faire gaffe. Par ici. Allez, vas-y. Doucement. Ouais, fais doucement. Putain! Attention, attention! Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon masque pété. Ne me laissez pas muter. Ouais. Voilà. En route. On l'a tiré dessus. On recharge. En fait, il voulait pas se transformer en bestiole. Attends, moi je fouille. Hein. Je vais trouver des petits trucs. Alors. Eh ben, y a rien à prendre. C'est bon, j'ai fouillé, on peut y aller. Allez, pousse tes fesses. Ah là, on peut s'accroupir pour rentrer. Ah. Appuie sur R1 pour concentrer l'ouïe de Joël. Maintenez R1 accroché. Ouais, là, faut maintenir R1. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des infectés. Faut approcher-vous discrètement de l'infecté et appuyer sur triangle pour le tuer. C'est ce qu'on va faire. Attraper, étrangler. Voilà. Allez, on maintient R1. Et les autres, ils sont ici. C'est pas vrai. Non, c'est ce que je voulais faire. Et là, tiens, carré pour attaquer. Et voilà. On a tué tous les infectés. Bon, on les a tous eus. Ouais, pour l'instant. J'espère bien. Alors, où est-ce qu'on peut fouiller d'autres? On retourne en ville. Là, c'est là d'où on vient. Attends, faut fouiller. C'est là le truc à récupérer. Là, c'est la santé, mais on est plein. Parce qu'on est trop fort. Ah, une porte! Voilà. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Des balles de pistolet. Nickel. Donc là, vous voyez, fouiller, c'est super important dans le jeu. Ça permet de trouver beaucoup de choses. Et on monte! Voilà, on est bien là. On peut éteindre ça. Là, y a rien à prendre. On ouvre la porte. Et là, y a un papier. Notre frère. Lire. Salut frangin, on est si proche. Je suis là, au pied du mur, sachant que je n'entrerai jamais dans la zone. Pendant qu'on attendait le passeur, on a entendu une escouade de deux soldats approcher. Dans la panique, on est entré dans un bâtiment pour se cacher, ce n'est qu'après qu'on a remarqué les spores. On est tous infectés. Il nous reste quelques heures, un jour, tout au plus. J'espère que le passeur viendra quand même, que je puisse au moins lui remettre cette note. J'aurais dû t'écouter et venir avec toi dans la zone tant que je pouvais, maintenant il est trop tard.
Les infectés essaient de s'infiltrer dans la zone. Même si tout le monde se plaint, il y en a tout un tas qui rêveraient de vivre à l'intérieur de la zone. Ouais, c'est vrai. Monde sans infecté. Hop là, regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Ah là là, moi j'adore hein. Un peu d'air frais. Il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. Voilà, moi ce jeu, je l'adore hein. Comme j'ai dit, c'est un de mes jeux préférés. Les odorisants habiles. Eh, hey, ce serait une bonne idée s'ils étaient pas tous périmés. Et alors ? Périmés de quoi ? Un ou deux ans ? Bah allez, ouvre ça plus vite. Couvre l'entrée. C'est bon. Comme par hasard. Allez, on va la suivre. Allez, on court un peu. Hop là, on grimpe. Et on passe comment ? Mince, la planche est tombée. Ah bah je vais la chercher. Je suis là pour ça. Tu peux y aller ? Mais j'y suis déjà, t'inquiète. Je suis sur le coup. Vas-y, passe-la moi. Allez hop, on va la placer. Voilà. C'est bon, tu es là ? C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. Ouais, trop facile. Ouais, nous pensons l'avoir sortir. Hop là, les grimpe tes fesses. Et voilà. Ramène tes fesses, on y va. Oui, chef. Regardez, même le jeu de lumière est magnifique. Hop là. Qu'il y a pas de soldats ici. Ah, ça serait bien. C'est bon, on y va. Ah bah attends-moi. Oh là, désolé, je me remets à tousser. La maladie revient. Oula. Bah attention de ne pas mourir. Hein. J'espère que je suis pas infecté. Relève-toi. C'est bon, j'arrive. Quoi ? Elle m'a dit ferme là. Super. Allez, on continue. Ramasse les munitions. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Oh. Ah, ici. 4 munitions, waouh. C'est beaucoup. Hein. Oui, pour ce jeu, c'est beaucoup. 4 munitions. Non, c'est ça que je voulais faire. Recharger. Voilà. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok. Ok, va vérifier ça. Ce qui nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. Bah oui, bien évidemment. C'est bon. C'est bon, on peut y aller. Et ma belle, comment ça va aujourd'hui ? Pas mal de Terence. Non, c'est bon, j'ai une carte. Maintenant, t'as compris. Ok. On arrive dans un petit village. Oh, que des gros durs. Hein. Salut les chiens. Ah bien évidemment, faut que je passe devant. Si tu touches, tu payes. Vas-y toi. Ça faisait un bail. Je te crois où là ? Si tu touches, tu payes. Va te faire foutre. Crois que j'ai peur ou quoi ? C'est qui ça ? Allez, bats-toi! Tiens! Allez, on y va! Allez, je vais où je veux! Oh là là, ils savent pas se battre en plus! C'est qui? Allez, on continue! Qu'est-ce qu'ils regardent ces deux-là là-bas? Voilà, une affiche au bout. Quoi ? Ah là, il y a du papier. Brouillon d'avis. Lire.
Ouais, vous mettrez pause, hein, je vais pas tout lire. Hein. Je dirais que ce qui me semble important. Je vais aller récupérer l'affiche. Stocke tout un tas de conneries dans cette usine. Alors, affiche de recherche. Recherchée par appartenance sur Luciole. Ok, très bien. Eh bien, les amis, c'est ici que va s'arrêter ce premier épisode de The Last of Us. J'espère qu'il vous aura plu. Hein, si c'est le cas, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de The Last of Us. Bye tout le monde!